J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, c'est la quatrième Wizard Braze Box que je fais avec Fanny Sobraze. Fanny Sobraze, c'est une youtubeuse spéciale Harry Potter. Elle a d'ailleurs bientôt une chaîne vraiment spéciale Harry Potter parce qu'elle faisait un petit peu de tout sur sa chaîne, mais du coup elle va vraiment s'orienter sur une chaîne vraiment 100% Harry Potter. Donc le lien de sa chaîne sera en barre d'infos ainsi que le lien de la vidéo que moi je lui ai envoyée, le swap aussi. Donc c'est parti. Tout d'abord juste un petit mot, je voulais vraiment m'excuser parce que ces temps-ci je ne poste presque plus sur YouTube ni sur Instagram parce que voilà, j'ai les préparatifs du mariage, les filles maintenant elles sont à l'école, donc voilà, pour trouver du temps pour filmer ça va, mais pour monter c'est un peu plus compliqué, donc voilà pourquoi je voulais m'excuser. Je vais essayer de sortir plus de vidéos mais je ne garantis rien, donc c'est parti, on va ouvrir ce colis ensemble. Ouh là là. Donc je le rappelle, Fanny et moi on s'envoie du coup un colis chaque mois avec 5 produits à l'intérieur pour un budget à peu près de 30 €. Et donc voyons voir ce qu'il y a ce mois-ci. Alors attends, ah oh non, je me suis fait spoiler. Ah, attendez, je regarde. Ah non, je voulais voir s'il y avait une lettre. Je crois pas. Bon bah je vais prendre l'objet que je me suis fait spoiler. Du coup il s'agit d'un petit porte-monnaie. Franchement trop chouette. Ah mais non, c'est pas un porte-monnaie. Je vois ce que c'est. C'est un sac dépliable je pense. L'emblème de Poudlard de chaque côté. La petite fermeture. Et donc oui voilà, c'est un sac dépliable. C'est chouette d'avoir ça. Comme ça si je veux aller faire un petit tour au marché ou quoi que ce soit pour acheter des petites choses, j'ai un petit sac comme ceci. Donc il y a l'emblème de Poudlard absolument partout sur ce petit cabas. Là je peux le ranger comme ça et ça prend pas de place à la maison. C'est hyper cool et une très très bonne idée. Je vais continuer. Oula. Et bien avec ceci du coup. Oh trop chouette. C'est une gourde marquée I would rather be at Hogwarts. Et donc c'est trop chouette. Moi j'en ai déjà une comme ça que j'avais eu dans la box de Ben HPTS. Je l'ai du coup filée à l'une de mes nièces. Et donc c'est cool parce que moi j'en avais plus à moi des gourdes comme ça avec la paille comme ça incrustée. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup Fanny, comme ça au moins j'aurai les miennes maintenant. Alors on continue avec cet objet là. Ah trop chouette. En plus c'est sous licence Harry Potter. C'est une tirelire. J'ai eu du mal. C'est une tirelire en forme de galion de la banque Gringotts. Et donc elle se présente comme ceci. Trop bien. Comme ça je vais pouvoir mettre ma petite monnaie là dedans. Il y a la petite ouverture juste derrière là. Ah j'adore. C'est trop cool. En plus sous licence Harry Potter, franchement tu gères à chaque fois pour trouver des objets comme ça sous licence. Donc ça c'était le troisième. Ah mais je crois que j'ai le petit mot juste ici. En fait voilà, il était arrivé au bout. Mais oh, j'aime trop. Regarde-moi ça. Avec le petit emblème de Poudlard, la petite ficelle et tout ça. Comment je vais pouvoir faire pour enlever ça délicatement? C'est tellement beau que j'ai même pas envie de l'ouvrir. Ouais, je me rappelle qu'elle m'avait prévenu que le petit mot ce serait peut-être glissé en dessous et moi j'ai même pas fait gaffe en ouvrant le carton. Je suis obligée de tout enlever. Bon, au moins j'ai récupéré ça. C'est intact. Alors, j'aime trop le petit mot. Eh ben dis donc. Coucou Meryl, nouveau mois, dit nouvelle box. Bon, je t'avoue que je viens juste de bourrer de scotch le colis et je me rends compte que j'ai complètement oublié d'y glisser une lettre. Celle-ci donc. Je t'avoue qu'avec le travail et les travaux à la maison, bah oui, j'ai la tête ailleurs, mais attendre notre box et la préparer me remplit toujours de joie. Et bah idem, c'est pareil, moi j'adore préparer tout ça, le fait d'expédier, j'aime beaucoup. Bisous, à la prochaine et au mois de juillet. Oui, magicalement. Ah trop bien. Et puis elle a refait sa petite baguette avec le petit éclair comme ça. Trop cool, merci beaucoup. Allez du coup je continue. Il y a du coup la baguette hein, comme dans chaque box, et un vêtement. Ah trop bien. Le mois dernier, enfin je crois que c'était le mois dernier, je lui avais envoyé un t-shirt avec It's Leviosa not Leviosa. La fameuse phrase de Hermione bien sûr. Et donc là elle m'a envoyé aussi un petit t-shirt Wingardium Leviosa.
avec la petite plume. Franchement, c'est trop chouette. C'est trop mignon. Alors ça, c'est sûr que je vais le mettre. Et du coup, c'est une taille... je sais pas. C'est sous licence officielle Harry Potter. Et c'est trop cool. Noir comme ça, avec du blanc comme ça, ça ressort bien. Donc merci beaucoup. Ça, c'est sûr que je vais le mettre. Et donc, terminons avec la baguette. Alors, je sais pas s'il y a marqué... Ouais, je crois qu'il y a une petite étiquette là. Tu vois juste avant moi à qui appartient cette baguette. Je vais du coup l'ouvrir et deviner... voir si je reconnais à qui appartient cette baguette. Alors, on a le petit ticket de du Poudlard Express, voilà, de la plateforme 9 3 quarts. Ah, c'est la baguette de Neville Londiba. J'aime beaucoup ce personnage Neville, franchement, c'est un personnage quand même plus important qu'il n'y paraît dans les films. Enfin, j'ai l'impression, même dans les films, hein, c'est lui qui tue le basilic, bref. Il a quand même des missions assez importantes et franchement, je suis trop contente. Je ne l'avais pas du tout, sa baguette. Et donc maintenant c'est fait. J'aime trop. Comme ça, ça complète la collection des baguettes. J'aime bien le fait que ça soit torsadé comme ça sur le bout de la baguette comme ça. J'aime trop. Donc voilà, merci beaucoup encore Fanny. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été assez expéditif cet unboxing. Mais en tout cas, sache que tous les objets me plaisent de fou. La baguette, la tirelire, le petit pochon, le t-shirt et la gourde bien évidemment que je vais m'empresser d'aller remplir de mon breuvage. J'espère également que ma box t'aura plu. N'hésite pas non plus, toi qui es derrière ton écran, à aller visionner ce que je lui ai envoyé. Le lien sera en barre d'infos. Et du coup, voilà pour cette vidéo. J'ai tellement hâte au mois de juillet. Je pense que je vais vite l'expédier parce que voilà, il y a le mariage qui va approcher, donc j'aurai un petit peu moi aussi la tête ailleurs pour le mois de juillet. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout TikTok, c'est là que je poste le plus de choses. À t'abonner aussi gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut !